8h50 sur montage vidéo, comme vous pouvez le voir. Et c'est parti pour le Vlogmas 19. Alors, vous allez vous dire, ceux qui me suivent, mais elle est pas bien celle-là. Elle nous dit qu'elle supporte pas les cols roulés. Comme je vous dis, j'ai toujours espoir. Mais là, je me sens coincée. Je suis engoncée. J'aime tellement. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est pas agréable, surtout. Il est midi, donc je vais vite grignoter. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à 13. Non, même pas, j'ai des bêtises. Pardon. Non, bêtises. 13h, midi 58. Ma maman vient à 13h30 pour qu'on fasse quelques petites emplettes pour les cadeaux de Noël. Voilà, c'est ensemble. Et donc voilà, comme je vous dis, il faut que je mange. Et calendrier de l'Avent. Alors ce matin, ma maman, elle a eu, ça va être fait. Ah, un petit bracelet que j'avais eu dans une box. C'était la prescription là, il me semble. De toute façon, c'est marqué, vous le verrez ici. Et quant à moi, bof, allez, on monte vite. Rien à voir, mais regardez, ça, c'est ce que je retrouve quand je fais la lessive d'Eric, des billets. Bon, ça va, hein. Ça pourrait être des maux doux ou des taches de rouge à lèvres. Nous y sommes. Ah, mais j'ai ça aussi, ce matin, le facteur est passé. Alors, 19, vous entendez? C'est la sonnerie d'Eric, la poupoule, il est rentré. Il est 13h, il est rentré genre à midi 20. Je suis sûre qu'il est parti s'allonger. Putain, c'est chiant. Alors, tu t'étais endormi? Ah bah bravo. Je disais donc, gros paquet. Alors, gel douche diesel full for life. C'est pour homme, ça, non? Le flacon est très joli, par contre. Bah écoutez, bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est quand même très correct aussi. Ok, bon, je pense que ça. Je vous le montre plutôt au retour parce que ça va prendre trop de temps. Je me fais le petit carré gourmand. Enfin, gourmand, vite fait, hein. C'est un peu secos quand même. Vous savez, c'est des pâtes. C'est ça, là. C'est censé être au chèvre. Je trouve pas le goût du chèvre. Et puis, du avoir de la patate, mais enfin, bon, c'est très, très, très compact. Ça va faire l'affaire. On se rattrapera ce soir. J'ai pas envie de m'avancer, mais là, pour le coup, faut que je fasse les petites patates et puis la viande parce que ça va commencer à être critique. J'ai vu qu'elle commençait en plus à germer. C'est ça. Non mais, c'est pas possible ça enfin! Chut, descends, c'est ici ta place. Tout de suite, merci. Leclerc, c'est parti. Vous avez vu, j'ai mis mon manteau tout chaud et j'ai gardé ça. Je vais voir jusqu'à quand je peux le garder. Tu peux faire des trucs. Crevette rose messe, énorme. J'ai vu une recette, ça me donnait envie. 17,50. Bah c'est quasi pareil, hein. Ouais, c'est sûr que si. Je voulais me prendre la patate douce et regardez, provenance Espagne, tout vient d'Espagne, pareil. Là, j'ai pris des petites mandarines, clémentine donc de Corse, c'est parfait. C'est classique ça, maman. C'est pas l'éclate, hein. C'est les. Emmental, jambon, tomate. Il y a plus fun quand même. T'as vu qu'il y a du chèvre fromage, partout? Chèvre noir. Non, pas intéressant. Eh bien, écoute, on va prendre des natures. Ah, 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 ah. Chèvre et miel. Ouais, ah, parfait. Figue et noix. Nick, là c'est drôle. Là on va se marrer. C'est la petite pause comme d'hab. Et maman, il faut qu'elle vous annonce quelque chose. Elle est complètement perturbée parce qu'elle vient d'apprendre quelque chose. Olivier Mine, il est homosexuel. Bah, et maman. Donc tous ses espoirs sont anéantis. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est fini, Olivier Mine, tu pourras pas. Et je comprends, c'est vrai que c'est un bel homme. C'est un bel homme. Bon, sur ce. Vous verriez sa tête, elle est là. Oh, enfin, tu vas pas dire ça. Passez. J'ai terminé tous mes cadeaux de Noël. Ça, c'est bien, c'est la première année. J'enlève ça, mais en fait, non, parce qu'il faut que je reparte. Je vais ranger les petites coursettes. Et ben, je veux, comme je vous ai dit, aller chez Noz pour le remboursement. Et il faut que j'achète une petite gamelle d'eau pour mon Jackie, parce qu'elle est toute oxydée. Cette petite gamelle. Voilà. Et Eric qui rentre. Je suis partie faire des coursettes de son côté, mais je voulais pas qu'il vienne parce que moi je voulais prendre un petit cadeau. Ça, c'est pas moi qui ai trouvé. Il n'y en avait pas Leclerc et Eric est allé à Inter, il nous a trouvé. Je pense que c'est par rapport à la grève. Que j'ai pris d'autre d'intéressant. Oh non, non, qu'est-ce que tu fais? Tédanet. Ça, parce que Bifidus, hein. Mais c'est hyper sombre, je crois qu'il faut que je me mette comme ça. C'est mieux.
Voilà, cela au bifidus, très bon. Ça, j'y ai droit, donc bah, j'en prends et j'adore, betterave. Ah, t'as repris les madeleines choco. C'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Oui, parce que c'est pour les 100 ans. Les 100 ans de quoi? Non, les 100 ans de la sortie du roman... Ah, de Marcel Proust. Oui, La jeune fille sous... Ah ouais, bah oui, bah oui, oui, c'est vrai. Et La jeune fille, c'est... Non, il y a du côté de chez Swann, il y a... Non, c'est sous pied, c'est sous un arbre. Non, 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 les jeunes filles, ah! Non, il n'y a pas d'arbre, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est-à-dire quoi une jeune fille en fleurs? Bah, qui est dans... au début de peut-être sa vie sexuelle. Mais qu'est-ce que tu foutrais à l'ombre des jeunes filles en fleurs? Et en plus, c'est... On va pas faire une étude de cas, là, si. Non, mais les jeunes filles en fleurs, elles ont pas une... elles développent pas une ombre plus importante que les autres. Ah ouais, attends. Plutôt moins, d'ailleurs. Voilà, donc... Non, mais c'est important. Tout à fait. Et si quelqu'un a une explication, c'est peut-être plus intéressant que le reste, non? Parce que de savoir qu'il y a du jus de carotte, le pierre ou pas, on s'en tape, mais... Les clémentines de Corse, hein, évidemment, toujours. Quoi d'autre? Bon, c'est tout. Bon, t'as fini ou pas avec ton... Je sais que tu vas avoir un nouvel ordinateur. Je fais gaffe qu'on te voit pas, c'est juste Est-ce que tu sais d'où vient la poussière à l'intérieur? À l'intérieur de l'ordi? Non, à l'intérieur d'une maison. Le fait qu'on n'aère pas. Oui, mais ça vient d'où la poussière? Attends, ce qu'on te voit. C'est créé par quoi? Tu peux pas poser cette question? Ouais, CO2. Non, c'est un gaz. On n'arrête pas de te voir et après tu vas te plaindre. C'est toi qui bouge partout, on te voit. Je peux pas. Excuse-moi de. Non, alors ça vient d'où d'après toi? Bah, je t'écoute. D'où vient le... Attends, ne mets pas du produit dans la tronche. Ça pue. Donc ça vient d'où la poussière qu'on trouve dans notre intérieur? Ça m'intéresse, c'est vrai. Ça vient de toi. Eh ben oui, je dégage du... Mais non, non, tu dégages pas du CO2. Ça vient de moi, comment ça? Ça vient du fait que constamment, ton corps est en train de régénérer ses cellules mortes. Et... Donc, bah, tout ce qui y a en trop... Ah bon? Ça tombe par terre. Mais non. Ben si. C'est glauque un peu. Ben oui, c'est pour ça qu'une maison, c'est l'endroit le plus pollué qu'il y ait. Ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aérer. Il faut aérer minimum un quart d'heure, idéalement une demi-heure, mais là ça caille un peu. C'est ce que je fais tous les matins. Je me les caille, mais je le fais. Alors, et en plus... Un quart d'heure. Et en plus, maintenant, il y a un truc qu'on a rajouté depuis quelques dizaines d'années qui n'existait pas avant. C'est-à-dire? C'est les produits d'entretien. Ouais. Et les produits d'entretien sont extrêmement polluants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pas que d'entretien, hein. Tout ce qui est les lacs pour les cheveux, les déodorants, oui, bon, tous les trucs. L'entretien du corps, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut éviter de les utiliser. Je sais, mais après, tu fais plus rien. Les cosmétiques, les machins. Non, mais par exemple, plutôt qu'utiliser un gel douche parfumé, ouais, faut mieux utiliser du vrai savon. Et donc, toi, tu prends un gel douche parfumé parce qu'il y a écrit Star Wars, par exemple, dessus. Ah non, mais les gens qui donnent des conseils, c'est pas les gens qui les suivent. J'ai l'impression. Ouais. Ah non. Bon, sur ce, bébé, il faut que j'aille chez Nose. Redonner les trucs. Et acheter la gamelle. Je vais prendre une petite gamelle d'un tout mignon pour mon bébé. Alors, les chats, oui, ne perçoivent pas les couleurs. Et sur les formes, ils sont pas très balèzes. Mais moi aussi. Non, ça veut dire que quand tu achètes une gamelle pour chat... On s'en fout, c'est parce que ce sera non, mignon. Mais achète surtout une gamelle... Non, mais par contre, je vais pas prendre en inox, t'as vu comment ça, le chlore, le calcaire, je veux dire. Le calcaire? Ouais, bon, le calcaire, j'ai... On te voit de partout. On te voit de partout. Mais 20 ans, avec ton... Avec ton... j'en peux plus, j'ai hâte. Tout à l'heure, je rentre, je l'enlève. Je vais quand même montrer, avant de repartir, la box, là. Celle-ci. Ce qui fait encore bien jour. On va se mettre là. J'ai vérifié, vous avez vu, j'ai un petit bouton. Les dires, là, concernant la poussière... Dans les logements, j'ai vérifié, il faut toujours vérifier ses sources hein, quand on dit quelque chose. Alors oui, mais c'est pas la source principale, tout ce qui est cellules mortes du corps. C'est aussi tout ce qui est pollen, les sols, les minéraux, enfin, il y a d'autres éléments, mais ça en fait partie aussi. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, il s'agit de la Goula Box. Donc, j'ai reçu par Octoly. Hein. Ça y est, box ouverte, on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Oh, c'est cool! C'est des petits sachets individuels. Alors ça déjà, c'est chocolat blanc, ça c'est chocolat noir. Il y a de tout là-dedans. Ça c'est du chocolat blanc, chocolat noir, des baies de goji. J'ouvre une box que je présente. Pourquoi, chat? Tu voulais qu'on fasse quoi? Ah, à but? Ah oui. Ben je regarde, je découvre et puis on arrive. Enfin j'arrive. Ah non, mais il y a trop de trucs, des amandes et tout. Même Eric, il va adorer. Ça, c'est pas des figues. Oh là là, c'est pas des chichis, ça. Des pralines.
Purée. Mais elle est canon. Alors, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encas. Nous sommes heureux de vous présenter vos 10, si j'avais lu avant, hein, m'aurais évité de compter, vos 10 snacks du mois. Bonne dégustation. C'est-à-dire que tous les mois, tu as des snacks différents. Alors là, je valide complètement, j'adore. Je me suis changée, je ne supportais plus, ça me grattait, grattait. C'est mon petit t-shirt là, que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Il est sympa. On y va, bébé? Hein? Donc, on va chez But pour la chaise de bureau. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce chien qui aboie? Ça vient d'où? De New Haven. Ah, c'est un jeu vidéo. Allez, on va chez But. Je suis vache parce que je t'offre un truc qui me plaît pas. C'est pas qui me plaît pas. Je vous fais le petit bilan. Donc Eric dit oui, je t'ai acheté pour Noël, je sais que ça te plaira pas. Je vous explique pourquoi. Donc on a trouvé la chaise de bureau. 40%. Vous savez combien elle coûte? Elle coûte 300 euros. Mais, donc elle est pas belle. C'est une chaise de gamer jaune. Donc rien à voir avec l'ambiance de mon bureau. Mais elle a tout pour me procurer des conditions de travail optimal et top au niveau du bas du rein et surtout au niveau des cervicales, c'est-à-dire que je suis calée. Attendez, qu'est-ce que c'est, conneries? Ah, attendez, c'est mieux là, ça y est. Donc oui, en fait, au niveau, on a le coussin, on a tout, c'est le top, et elle était à 40%. C'est-à-dire qu'elle est revenue à 170 euros, mais c'est un investissement quand même, parce que ça me bloque en fait de bosser comme je fais. Je tire, comme je vous disais, sur mon cou. Et là, je ne pourrais plus tirer, parce que je serais complètement calée, sans devoir me rapprocher. Bah, de toute façon, je vous montrerai. Le truc, c'est que, comme je vous dis, elle est horrible, elle est toute noire, elle est jaune, fluo partout. Attendez, je reviens. C'est archaïque, hein, pour ouvrir la porte. Donc, j'ai dans l'idée de la customiser complètement, toutes les zones en tout cas jaunes, et ben je vais les recouvrir de washi tape, je vais voir un petit peu, parce que là c'est quand même très très particulier. Mais moi, je voulais pas qu'il me la prenne, elle est quand même très chère pour une chaise de bureau, et non, il m'a dit qu'il fallait ça pour au moins pour que je sois bien. Voilà, bon, bah c'est cool. Ah, ça passe? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Ouais, bonjour, merci, vous aussi, au revoir. La chaise est là. Tu l'as fait demain, hein? C'est oui, pas... Oui. Ouais, c'est pas pressé. Ah, demain, non, je travaille toute la journée. Bah, demain soir, qu'est-ce que je... Demain soir, on n'est pas là. Ah oui, c'est bon, on n'est pas là, on est invité. Non, ouais. Parce qu'au début, quand il m'a montré cette chaise, je lui ai dit, rigolé au nez, je lui ai dit, non, mais c'est sérieux, jamais... Bébé, on va voir. Bah, c'est toi, tu te jettes. Ouais, bébé, tu te sens un peu mis du passage. Bon, oui, parce qu'au tout début, faut quand même dire les choses, quand il m'a montré cette chaise, j'ai dit, mais jamais, je vais prendre ça. Ça va pas du tout. Et je l'ai essayé et ça a été le coup de cœur. Je préfère privilégier un confort de travail à l'esthétique. Oui, messieurs, dames. La vendeuse chez But m'a dit, franchement, si vous la customisez, ça m'intéresse. Vous me faites une photo et vous revenez me montrer tout ça. Oui. Bon, je sais que c'est très bon, les grenailles, quand tu gardes la peau, mais là, vu qu'elles sont quand même pas mal germées, il faut que je les épluche très très bien, parce que ça peut faire mal au ventre. Tu fais quoi là, Jackie? Tu t'apprêtes à faire quoi en fait? Hein? Voilà, tu t'assois, merci. Épluchage, ok, j'ai enlevé tous les petits germes. Je vais rincer. Donc ça y est, les patates sont cuites à l'eau. Et maintenant, je vais les faire revenir dans du beurre coupé. Et puis après, je fais les steaks. Je vais m'envoler avec une chaise comme ça. Oh là 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 là. Ah bah, t'as bougé du coup, toi? Oui. Miam, ça sent bon. Mais ça sent bon. Un faux filet patate pour la 8. Je vous pose ici. Comment ça va l'habitude? Petit bouton. Je vais clôturer maintenant. Non, je vais clore ce vlog maintenant, parce qu'on va, se poser avec Eric. On va continuer une série, c'est Watchmen, qu'on regarde sur Netflix.
Je crois que c'est sur Netflix. Non, c'est Netflix. Demain, donc j'ai un rendez-vous à 11h. Donc ça veut dire parce que j'ai pas eu le temps de monter mon vlog. D'habitude, je le fais le soir. Demain matin, il faut que je me prépare. Il faut que je monte mon vlog. J'aurai jamais le temps. J'ai un rendez-vous. Je vous en parle demain matin. C'est pas un rendez-vous médical. Et autre chose. Je ne sais plus. Bref, il y a pas mal de choses à faire demain. Donc, on se retrouve demain. Je vous fais un énorme bisou. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Je vous embrasse très fort. Il y en a un qui est déjà parti pour sa nuit. Allez, salut!